Salut les copains! Alors, et vous, pourquoi regardez-vous cette vidéo? Peut-être parce que vous envisagez d'adopter un Spitz nain ou vous êtes simplement curieux de découvrir mes 6 avantages et mes 5 inconvénients. Peu importe, je suis heureuse de vous faire découvrir cette nouvelle vidéo. Alors, c'est parti! Commençons en premier par sa bonne humeur communicative. Saviez-vous qu'un chien en général peut vous rendre heureux et en bonne santé? En effet, un chien peut changer votre vie. Les propriétaires de Spitz allemand nain, bien sûr, le savent déjà. Très attachant et loyal, le Poméranien est extrêmement bon pour votre santé. Non seulement parce qu'il vous permet de vous déplacer, mais aussi parce qu'il peut aider à réduire le stress, diminuer la pression artérielle et augmente la production de l'endorphine, l'hormone de bonheur. Le Spitz allemand permet un rétablissement plus rapide et plus efficace de son maître après une maladie. Il offre également des avantages pour la santé des personnes âgées et les enfants qui grandissent avec eux sont moins susceptibles de développer des allergies et de l'asthme. Le deuxième avantage serait son temps de jeu qui est d'une durée moyenne. Pour les casaniers ou les pantouflards, le Poméranien ne demande pas un temps de jeu excessif dans la journée. Il est d'une durée moyenne, environ 45 minutes par jour avec son maître et 3 heures par jour en solitaire. C'est pourquoi il est important de lui apprendre à jouer seul. Aussi, c'est un chien qui retourne facilement au calme. Parfois, nous oublions presque qu'elle est là. Le troisième avantage est sans nul doute son indépendance et sa capacité d'adaptation. Le Pomme peut rester seul sans problème. Il s'adapte à toutes sortes de situations à condition de l'avoir habitué dès son plus jeune âge. Par exemple, vous pouvez habituer votre chiot à rester seul 20 minutes au début, puis des temps seuls de plus en plus longs. Pour l'habituer à la voiture, nous avons emmené Tiara un peu partout, chez la famille, au shopping, en forêt, au bord d'un lac. Son gabarit permet de l'emmener facilement, sauf dans les lieux interdits au toutou bien sûr. Le quatrième avantage est à coup sûr ses frais d'alimentation peu coûteux. Vu sa petite taille, il ne coûte pas cher en nourriture. Un sac de croquettes de 11,4 kg au prix de 71 € permet de le nourrir pendant 7 mois environ, ce qui vous revient à 10 € par mois. La portion pour un Spitz nain est d'environ 55 g journalier. Le cinquième avantage est assurément sa rareté qui vous rendra sociable. En effet, le Poméranien est si petit et mignon qu'il fait de vous un passant intéressant. Ils diront souvent « Qu'il est mignon, c'est la première fois que je vois un chien si petit, va-t-il encore grandir ?» Et si vous avez déjà promené un chien, en général, vous savez que vous rencontrerez d'autres propriétaires de chiens. Ce qui est génial, parce que vous pouvez partager vos expériences avec vos chiens et les chiens peuvent jouer ensemble. Bien sûr, vous pourriez ne pas toujours avoir envie d'une discussion. Dans ce cas, vous pouvez simplement dire un amical bonjour et continuer votre chemin. Mais si vous souhaitez rencontrer de nouvelles personnes, vous trouverez que le Spitz allemand est un ami merveilleusement sociable qu'il est bon d'avoir à vos côtés. Sans aucun doute, le sixième avantage est sa générosité et son amour infini pour son maître. La phrase « le chien est le meilleur ami de l'homme » prend tout son sens avec une boule de poils comme le Poméranien. Un chien est comme un miroir. Le Spitz allemand nain est totalement honnête et leur réponse au comportement humain est pure et sans filtre. Votre fidèle ami réagira également directement sur votre comportement et vos émotions. Cela peut être très confortant. Il va toujours être sensible à votre stress, anxiété ou colère. De même, votre confiance et sang-froid l'affectent aussi. Alors prenez bien le temps d'apprendre à le connaître et vous ferez plus ample connaissance avec vous-même aussi. Il se créera un lien spécial entre vous et votre boule de poils. Continuons avec les inconvénients. Le premier inconvénient est sa fragilité. Les caractéristiques physiques miniatures du Spitz nain laissent place à une vulnérabilité à certaines maladies. Le Poméranien, plus fragile, a tendance à souffrir d'un mauvais alignement des rotules, de troubles respiratoires dus au collapsus trachéal et de maladies cardiaques. C'est pourquoi il est particulièrement important d'adopter votre chiot Spitz nain chez un éleveur en qui vous avez confiance et qui prend grand soin de la santé de ses animaux. Aussi,
Sa petite taille et sa discrétion peut parfois nous jouer des tours. Attention où vous mettez les pieds pour ne pas lui marcher sur une papate. Et attention où vous vous asseyez sur le canapé car ils aiment se cacher sous la couverture ou sous les coussins. Je classerai en deuxième inconvénient l'entretien de son poil. Le loulou de Poméranie doit être brossé régulièrement pour garder son beau pelage de lion abondant. Il est recommandé de prévoir au moins 2 séances de brossage hebdomadaires durant lesquelles vous brossez minutieusement votre spitz avec un peigne pour le sous-poil et une brosse à picot long pour le poil de couverture. Le troisième inconvénient serait son prix coûteux à l'achat. Le coût d'un loulou de Poméranie a explosé ces dernières années par rapport aux autres races de chiens. En effet, la forte demande, la couleur de robe, la taille ou toute autre spécificité peuvent faire varier le prix de vente. Et il faut également savoir que les Spitz Poméraniens sont des chiens à petite portée. Sur certaines, il est possible d'aller jusqu'à 3 chiots par portée. Cependant, par rapport à d'autres races, cela est peu. C'est pourquoi vous trouverez, d'un élevage à un autre, des tarifs de vente variables et parfois élevés. En quatrième inconvénient, je citerai son expressivité parfois bruyante et aiguë. Même si sa petite taille ne le prédestine pas vraiment à la fonction de chien de garde, les bruits suspects sont souvent pour lui signe d'un grand danger. Il prend alors son rôle de gardien très à cœur et n'hésite pas à prévenir qui voudra bien l'entendre qu'une menace, selon lui, guette son foyer. Cela peut vite devenir contraignant lorsque le moindre petit bruit engendre des aboiements, parfois difficiles à stopper. Surtout si vous habitez par exemple en appartement, en plein centre-ville. D'autres raisons peuvent le pousser à aboyer. L'ennui, la frustration, le manque de dépenses, l'excitation pendant les séances de jeu, ou encore un aboiement pour que vous ouvriez la porte, que ce soit pour rentrer ou pour sortir d'un pipi. Mais dites-vous que votre Spitz nain est à l'origine un chien de garde qui a un sens du territoire et de la famille très prononcé pour vous protéger. Pour finir, le cinquième inconvénient est sa vulnérabilité et son attachement pour vous. Oui, vous devez trouver cela étrange que je classe son attachement comme un inconvénient, mais voici les raisons. Son attachement si intense pour nous peut nous rendre parfois anxieux. Dans les yeux de votre chien, vous êtes le maître de l'univers, la personne la plus importante dans sa vie. Alors forcément, nous ressentons une énorme responsabilité pour le rendre aussi heureux qu'il nous rend heureux. Il est totalement dépendant de son maître. Vous êtes responsable de sa santé physique et mentale. Cela peut sembler intimidant, mais après quelques semaines passées de cohabitation, on se rend compte que c'est là la vraie beauté de posséder un chien. En prenant l'initiative de regarder cette vidéo, c'est que vous souhaitez offrir la plus merveilleuse vie à votre actuel ou futur compagnon. Si vous avez des questions auxquelles vous souhaitez que je réponde, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Pour découvrir les thèmes abordés dans cette vidéo plus en détail, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le lien qui s'affiche en fin de vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine et bye bye !